désordre. Voilà. En dehors de ça, eh bien, ils ont fait un énorme travail. Je voudrais remercier déjà nos amis de la technique, les régisseurs, qui sont des gens remarquables, qui ont supporté tout cet après-midi. Et les enfants qui, d'ailleurs, se sont supportés eux-mêmes, ce qui n'était pas évident. Et qui l'ont bien fait, parce qu'ils ont quand même digéré, si vous voulez, un travail de 3 heures. Voilà. Donc, ça n'est pas évident. Donc, encouragez-les, je sais que vous le ferez, et puis soyez indulgents pour eux. Thank you.
Thank you.
viennent dans une cage. Thank you.
non. Et toi? Moi non plus. Alors le bourgeois n'a pas fait de touriste, nous allons lui rendre son âne. Et toi, voleur, voleur, un peu gêné. Tiens, Nasreddin, nous voulons juste te faire une blague. Très dignement, Nasreddin reprit son âne et se prépara à rentrer chez lui. Quand un homme osa enfin lui poser la question qui intrigua tout le monde. Au fait, qu'a fait ton père le jour où il a volé son âne? Que voulais-tu qu'il fasse? Il en a acheté un autre. Alors que les troisièmes passaient la porte autour de son cou et prenaient la place de l'âne.
que ton école va chez ta mère. Cette fois-ci, je ne t'achèterai pas. Ok, très simple, attends-moi un peu.
Thank you.
a-t-il de l'eau ou de la braise ? Nasreddin réfléchit longtemps. L'assemblée attendit sa réponse en redonnant son sourire. Soudain, il se leva, s'approcha du voyageur et sans prévenir, lui donna une claque magistrale sur la gorge. Thank you.
Thank you.
Le soir, Marceline s'arrêta pour dormir en son
vous deux. Et merci à l'espace bonne foi qui a eu la gentillesse de vous accueillir et de vous permettre de répéter aussi.